Là, en fait, là, je fais une story, j'en ai vraiment ras-le-bol. Des gens, là, qui parlent de nous, qui parlent de nous tout le temps, là, pour... alors, je sais pas, c'est pour faire des vues ou je sais pas. Mais je pense à quelqu'un en particulier, là, qui a déjà parlé de nous de façon pas très sympathique à plusieurs reprises. Je lui ai jamais donné l'heure, j'ai jamais répondu. Mais là, ce coup-là, il y en a ras-le-bol. À un moment donné, il va falloir qu'il s'arrête. Parce qu'en attendant, cet abruti, il a jamais eu les coronesses de venir me dire quelque chose à moi directement. Je parle de monsieur Adé Laurent, qui en plus a l'air de se croire beau alors qu'il ressemble à rien. En plus, il a le QI d'un poisson rouge. Et cherry on the cake, le mec, le pauvre, dès qu'il a envie de tirer un coup, il est obligé de payer. Alors vraiment, mec, tu fais pas rêver. Alors vraiment, tu fais pas rêver, déjà d'une part. D'autre part, alors je sais pas, peut-être qu'il a le seum, hein, parce que je pense que depuis un an, ouais, on a fait plus d'oseille que lui sur les plateformes, il est dégoûté. Mais par contre, je te donne un conseil, c'est de ne même plus tu prononces mon nom. Même plus. T'as capté? Tu prononces plus mon nom. D'accord? Parce que ça fait presque un an que t'es toujours en train de parler de nous, de dire de la merde sur nous. Moi, j'en parle de ta gueule, là, complètement éclatée au sol, là. On t'entend parler, tu sais même pas faire une phrase sujet-verbe complément. T'es complètement teubeux. T'es teubeux comme t'es yep. T'es complètement débile. Alors, s'il te plaît, fais ta vie et tu m'oublies. Tu les oublies, les pélissards, ok? Nous, on parle pas de toi. On te donne pas l'heure. Pourquoi faire? T'as aucun intérêt, tu sers à rien. Tu sers à rien. T'as aucun intérêt. Et en plus, t'es un connard de misogyne. Tu respectes même pas les femmes. Ferme ta bouche. D'accord? C'est normal qu'on fasse plus d'oseille que toi. Hein? Voilà. Donc, pélissard, c'est un mot que tu vas bannir de ton vocabulaire. On est d'accord.